ou baron, qui gérait tout Fresco et tout sa cendra. Cette dame, qu'on appelle l'esprit, la femme de la mort, qui m'a affronté. Elle m'a affronté dans un village. Elle m'a dit, toi, je vais te tuer. J'ai dit, quoi? Toi, tu peux me tuer? Tout le monde a peur. Parce que quand elle te dit ça, tu meurs. Je leur ai dit, tu sais, tu joues la comédie. Moi, tu ne peux pas me tuer. Jamais. Parce que Christ a vaincu la mort. Il l'a envoyé spécialement, elle allait se mettre dans une maison. Elle fait des incantations pour appeler mon âme pour mourir. Moi, je me suis levé le matin, j'allais frapper à sa porte. J'ai dit, maintenant, sors, on va faire confrontation. C'est-à-dire, pendant que tu te caches là, moi, je vais vous le voir. Et ce que je vous dis, la presse ivoirienne a relaté ça. J'ai pris tous ces bagages là, boudou là. Elle est féticheuse et sorcellerie. J'ai pris ça, j'ai jeté. Et j'ai dit, faut que ton esprit là vienne me tuer. S'il est là. Mais j'ai été maté, tu vas comprendre. Elle avait deux esprits, elle avait un dragon. J'ai brûlé sa chaise, j'ai brûlé tous ses fétiches et je suis allé tuer son dragon dans. Frère, écoutez, Jésus là, je le suis parce qu'il est puissant. Faut montrer la photo aux gens. C'est pas de l'amusement. On est plus là-bas. À montrer ça. Si j'ai été voici la preuve. Vas-y, plein de photos. Montre la deux serpents. Montre ça. Elle a dit, toi, je vais te tuer. Il dit, moi, tu ne peux pas me tuer, mais moi, j'ai été maté ici. Je suis vieux, vieux. Moi, mon pouvoir vient de là-haut. J'ai brûlé ces petits, tout ça. J'ai brûlé, j'ai maté ça. Je suis allé dormir. Elle dit, si tu dors à 18h, tu es mort. J'ai dit, 18h. C'est courageux, hein. Je me suis levé à 19h. Il dit, madame, ça va, mais voici, je me suis levé à 19h, ça va. Je me suis venu me brosser demain. J'ai pris ma brosse à temps, je me suis brossé demain. Demandez au. Aux gens de Fresco, là, ils savent ça. La voici là. Vous pensez que quoi, même? Il y a la petite manger d'hortel. Elle n'a pas ma part hortel. Elle mange tout un village. C'est pas hortel, elle mange. On n'a pas en train de s'amuser. Pourquoi on est en train de s'amuser? L'onction que le prophète Création a reçue de la part du Seigneur, laisse tomber. Moi, je crois à la puissance et la souveraineté de Jésus. Ce n'est pas un débat. Je l'ai salué, il dit, madame, il est 19h, je ne suis pas mort. Elle dit, ah bon? Je dis, non, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. C'est comment? Elle dit, non, son serpent, on a pas retrouvé son serpent est monté dans l'arbre. C'est dans l'arbre, les chats abattent le serpent. En 2012, c'est passé en Yangoku. C'est une histoire, allez demander, on vous dit ça. Donc quand il parle, je sais de quoi il parle. Les serviteurs de Dieu, tu ne peux pas chasser un démon, il faut te taire. Il faut te calmer. Faut aller devenir dialogue. On va faire du pain blue band. Moi, acheter du pain blue band avec toi. Du pain avec maca. Et vermicelle. Il faut faire kiosque. Ouais, vous allez faire. Champ de riz. Un ministère, Jésus dit, voici les signes en comparant ceux que l'on crie. Nous, on a affronté les démons, mais pas sous la base de la parole que nous dit dans Marc 7, verset 10, 17, à mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas un débat. Vous m'avez compris, ce n'est pas un débat. Vous avez vu la photo? Vous l'avez vu? Ce n'est pas des mises en scène. Les gens pensent, ce n'est pas des mises en scène. On l'a envoyé spécialement, j'ai attrapé une de ces dames qui avait bouffé l'homme. Et la marmite, elle allait faire déterrer. On a pris marmite. Il y a la marmite là, le canari où il y a vient de l'homme là. On a attrapé. Elle a envoyé ça. Donc elle a appelé sa patronne à renfort pour venir me tuer. Elle est venue nuitamment. Elle allait se cacher dans une maison. Elle faisait des incantations. J'ai senti ça depuis ma chambre. Je suis sorti. Pour taper la porte. J'ai dit, madame, vous vous cachez, madame, c'est petit. Venez, mes amis. Voilà. Non, j'ai dit, madame, quand vous cachez dans le pardon, hein, venez. Sortez. Vous êtes venu faire parler, non? Venez.
Confrontation, on va faire ça en direct. On va faire ça en direct. Elle est partie, toi seulement, elle est venue. Et puis, on va être deux qui imaginent. Regardez bien la photo, il y a deux qui imaginent dedans. Près de la cloche, là. Il y a une cloche, et il y a deux qui imaginent là-dessus. Elle dit, elle veut me faire que de nous. Mais elle va mettre deux qui imaginent. Regardez bien. Où elle est assise près de Pétiche, là. Il y a deux qui imaginent là. C'était pour moi. Amen. Amen. Elle m'a dit, tu as cassé Fétiche, c'est vrai, tu vas parler, mais le Fétiche, il va te tuer. Jamais Fétiche ne peut tuer un enfant de Dieu. Jamais ne tuera un enfant de Dieu. Jamais. Jamais, jamais. Jésus, il est puissant, c'est pas un débat. Vous prêchez l'évangile. Il faut que les signes vous accompagnent. L'apôtre Paul dit, ma prédication et l'évangile ne reposait pas sur seulement sur les discours. Il ne faut pas aller parler seulement. Mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Nous nous démontrons là. C'est chez nous Dieu est. Parce que Dieu est esprit. Il se démontre. On ne peut pas parler de Jésus sans miracle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de Jésus sans guérison. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de Jésus sans chasser les démons. C'est impossible. Inimaginable. Vous prêchez que l'évangile. Et vous, ce n'est pas suivi des signes. Les gens viennent vous écouter. Ils retournent avec tous leurs problèmes. Les gens ont des problèmes, sont possédés, ils ont le cancer. Les gens ont des problèmes d'insuffisance rénale. Les gens ont toutes sortes de problèmes. Et vous prêchez l'évangile, ils savent qu'ils ont le salut. Mais et la guérison, c'est en Jésus. Lui, il est la guérison. C'est pour ça que si tu crois en lui, il va te guérir. Moi, je sais. Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré. C'est pour ça que je le sais aujourd'hui. Donc, le vrai disciple qui prêche l'évangile de Jésus, les signes de la délivrance doivent accompagner son ministère. Amen. Dans mon ministère, c'est on l'exerce. Parce que s'il n'y a pas de ministère de délivrance, c'est que Jésus n'est pas là-bas. On m'a compris ou pas? Amen. C'est la prédication de l'évangile. Jésus-Christ, là, il est vivant. Il fait de nous des témoins. Un témoin, c'est un producteur de preuves. Celui qui démontre les preuves de Dieu. Celui qui démontre les preuves de Jésus. Ce n'est pas un débat. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. On prêche les voix, il parle, il fait sortir un verset, il fait sortir un verset. Le diable peut faire ça. La seule chose que le diable ne pourra pas faire, c'est le traitement de mort. Il ne fera pas ça. Quand vous ne soyez pas surpris, ben, ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes dans des, c'est-à-dire dans la révélation de Dieu, en chassant les démons, en chassant la sorcellerie, tout ça, c'est biblique. Vous voyez, c'est biblique. On m'a bien compris. Amen. Je voulais vous démontrer tout de suite au travers de la parole de Dieu qu'un homme de Dieu qui n'est plus capable de chasser un démon. Regardez bien. Un homme de Dieu qui ne peut pas chasser un démon. On envoie quelqu'un qui est possédé. Or, Jésus envoyait les gens, ils chassaient. La dame envoyait un enfant qui était mort, Jésus l'a ressuscité. Amen. Jésus était toujours prêt à délivrer. Mais toi, tu prêches l'évangile, tu prêches. Tout le monde t'acclame. Et tu ne peux pas chasser un démon. Mon frère, c'est que toi-même, là, tu as approuvé par les démons. Amen. C'est clair. Le verset biblique de Marc 16, le verset 17, ne nous parle pas d'autre chose. Vous voyez que beaucoup d'hommes, ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont, Jésus plutôt, ils vont éviter ça. Tu prêches l'évangile, c'est vrai. Tu es décidé de Jésus, c'est vrai. Jésus a chassé les démons, oui. Pourquoi toi, tu ne chasses pas les démons? Amen. Jésus a prié pour les gens à guérir les malades, oui. Pourquoi tu ne fais pas? Parce qu'il dit à mon nom. Il n'a pas dit, il y a des personnes qui disent, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui vont croire à mon nom, là. Voici ceux qui vont les accompagner. Pourquoi toi, ça ne t'accompagne pas? Amen. Pourquoi les miracles de chaque et des guérisons ne t'accompagnent pas? Ça veut dire qu'on doit mettre ton ministère en doute. Les chrétiens sont possédés. Ils ont hernie. Ils ont hémorroïdes. Ils ont insuffisance rénale. Ils ont cancer. Ils sont possédés. Tu es capable de les délivrer. Il y a tout ça. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Et que la main de l'Éternel vous accorde la délivrance. Que Dieu, que Jésus, la délivrance, qu'il vous délivre, qu'il vous délivre, qu'il vous délivre, qu'il, que les démons soient chassés de vous.